T'as raison. Pardon. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour d'être là? Je continue? Non, c'est bon. Merci. Montrez-moi si vous avez des offres aujourd'hui. Donc, l'immobilier, ma femme et moi sommes très motivés en ce samedi ensoleillé. Madame Chère, Rodrigue Galloway, est-ce qu'il y a la bouquille ou c'est la bonne Écoutez, j'ai épluché votre dossier, mais je dois me rendre à l'évidence. Primon, vous n'avez pas un copec? De 2 yeux, moi je dois partir en week-end là. Et de 3 yeux, je trouve que vous êtes de très bons locataires. Dommage, dommage chérie, dommage que le notaire n'ait pas voulu subvenir à notre demande. Nous allons devoir aller dans les bois, nous allons chercher un camp pour toi et moi. Nous allons bâtir un empire à nous deux, où nous trouverons l'amour tel qu'il se doit. Alors là, j'ai déjà raconté cette histoire maintes et maintes fois. Le notaire, il part à l'aventure parce qu'il dit ce couple a raison. Et il part à la recherche de ce couple qui est déjà sorti. Il quitte tout et il les rejoint dans la forêt pour aller vivre avec eux. Il frappe à la porte, car c'est une porte de forêt. Bonjour, monsieur le notaire. Entrez donc, ne prenez pas froid. Chérie, prends-le dans tes bras. Qu'il avait beaucoup marché. Et pendant ce spectacle, à la fin de ce spectacle, je commence par cette chanson et je finis par la chanson que je vais jouer maintenant. Voilà. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec le frère du notaire. C'est le frère du notaire qui vit dans une maison avec sa femme d'une banlieue, d'une ville dont on connaît un peu où on veut, et qui décide d'aller parler à sa femme qui elle est complètement prostrée. C'est pas qu'elle est prostrée, parce que quand on est prostrée, c'est comme un appel quand on est prostrée. Non, elle a tout perdu, quoi. Elle est comme ça, elle mange des cacahuètes en regardant le tiercé à la télé, et lui, il décide d'aller lui parler quand même. On rentre dans la pièce. Ok, 3, 4. Chérie, je sors, je vais courir un peu. Alors, chérie, je sors, je vais courir un peu. On sent que déjà, il y a comme une fuite. Il va courir un peu, il va revenir, d'accord, il va courir, mais il y a cette idée quand même de fuir le dialogue, même s'il vient lui parler. Chérie, je sors, je vais courir un peu. Mais c'est difficile des fois de revenir parler à sa femme, alors qu'on vient de s'engueuler la veille, alors qu'on a envie. On aimerait lui dire je t'aime, tout ça, machin, mais c'est pas bien à un moment donné, c'est pas possible, il y a un temps de latence. C'est toujours cette histoire de contenance, il faut contenir à un moment donné quelque chose comme dans Airtight. Vous voyez le vaisseau Airtight comme ça? Il doit contenir. Et au bon moment, il doit lâcher. Et des fois, il rate le vaisseau à tuer, il perd des points. Donc là, il faut. Bah, c'est un dosage assez particulier. Chérie, je sens, j'ai couru un peu. Je passerai peut-être au Monoprix. Alors, je passerai peut-être au Monoprix, c'est comme une promesse. C'est un peu une promesse, on sait qu'il ne tiendra pas. Il y aura une promesse de plus, quoi. Mais bon. Chérie, je sens, j'ai couru un peu. Je passerai peut-être au Monoprix. Dehors le ciel est si bleu et les trèfles sont jolis. Dehors le ciel est si bleu, il y a une fenêtre, il y a quand même une invitation à aller vers quelque chose de l'extérieur, vers autre chose. Et en plus, il a essayé de parler son langage, c'est-à-dire le langage de la télé, le trèfle, le tiercé, tout ça. Et la chance, quelque part. Bon. Donc il part courir. Je vais le faire avec un son de route que j'ai découvert il y a quelques années sur cet instrument que j'ai depuis longtemps. J'étais très content. Ok. Il part courir.
il descend les marches 4 à 4 et parce qu'il fait du sport en fait. Et pour les lutins, mais pour les... enfin, il fait du sport, c'est un prétexte. Pour les lutins, ça n'a ni qu'une tête de faire du sport. Parce qu'eux, ils sont là, un petit peu comme ils veulent. Un peu comme des particules. Des particules quantiques, mais des particules qui parlent. Des particules. Et ils foncent. Et tout d'un coup, il y a un gros nuage sombre qui apparaît au-dessus de la forêt, comme ça, qui fait. Qui apparaît. Tous les lutins sont là. Ah, on s'en va, il y a le nuage sombre qui arrive. Ils s'en vont. Et puis le nuage sombre, il arrive comme ça, il fait. Lui, il court. Il y a un nuage sombre qui fait métallique sonne. Tu progresses. C'est dingue. C'est bien. Lui il s'arrête tout d'un coup. Il dit mais qui c'est qui me parle? Et pourquoi il m'appelle métallique sonne? Pourquoi il m'appelle par mon prénom? Et c'est pas mon prénom d'ailleurs métallique sonne. Et il se souvient que dans la télé de sa femme il y avait un cheval dans le tiercé qui s'appelait métallique sonne. Il s'est dit mais je suis pas un cheval. Il est trop épuisé. Et avec toutes ces histoires de communication avec sa femme, etc. Et puis surtout, il est en train de 500 faire à 100 mètres dans cette forêt parce qu'il fallait qu'il oublie. Et là, il voit une fontaine magique, car les fontaines sont magiques. Et toutes les fontaines sont magiques. Il se prosterne devant la fontaine magique. En fait, il se prosterne pas. Il plonge sa tête dedans et il boit. Et tous les lutins se rassemblent autour de la fontaine magique pour le regarder boire. Parce que les lutins, ils ne peuvent pas boire eux-mêmes. Vous le savez ça, ils ne peuvent pas boire eux-mêmes, et donc ils boivent par procuration. Et donc, ils boivent. Et c'est pour ça que sur les fontaines, elles sont marquées au nom potable. C'est souvent des butins qui vous poussent à boire pour vous regarder, et après vous devenez comme des grosses barriques. Donc, si vous voyez marqué au nom potable, vous allez boire. Ce sont des fontaines magiques. Vous comprenez les enfants? Et là, il rentre chez lui, il se relève tout d'un coup d'un trait, et il se dit, zut! Il faut que je parle à la femme. Et il fonce dans l'autre sens. Il traverse le nuage. Et il traverse le nuage sombre qui s'était affaissé et qui s'était durci d'une façon très nonchalante. Parce qu'il ne peut durcir de façon nonchalante. Et il traverse le nuage et paf, il le pète en mille morceaux. Et les mille morceaux, ils font la tête. Alexandre, tu es à nous. Reviens. Je fonce. Il rentre chez lui. Il monte les marches 4 à 4. Et il se retrouve de nouveau dans la chambre de sa femme et il lui dit « Chérie, je sais... » Non, ça c'est le début de la chanson. Il lui dit « Chérie, j'ai entendu la voix d'un Dieu. Je crois qu'on s'est fait gruger. Le Père il est dans les cieux. Et pas du tout dans la télé. Les agents arrivent et continuent à chanter avec eux. Dans la chambre, ils rentrent tous et elle commence à se décoiffer, elle le décoiffe, elle l'embrasse et ils chantent, ils font l'amour et ils vont vivre dans la forêt tous les deux. Bravo! Avec plaisir. C'est peut-être l'heure, hein, parce qu'il y a un autre bout après. Ça, c'est un autre objet de contenance aussi qui est pas mal. Ouais.
17h50.